Salut à toi, c'est Mickaël, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo unboxing du Maxi Bright Daylight 560 Pro. J'espère que cette vidéo te fera plaisir. C'est une réaction à chaud, j'ai toujours pas ouvert le produit. On va le voir ensemble, c'est parti. Let's go! Avant de commencer le déballage, Maxi Bright, c'est une marque anglaise. Elle conçoit des éclairages LED pour ta culture intérieure. Elle conçoit d'autres choses, mais nous, on va s'attarder juste sur les LED. Elle a plusieurs gammes, les 200 watts, les 300 watts, les 480 watts et les 660 watts. Là, on va déballer 660 watts. C'est parti. On va déballer le produit. On peut remarquer que le packaging est plutôt correct. Il y a certaines marques qui font même pas de packaging et là, on en a un. C'est un bon point à souligner pour cette marque. On vient de déballer le produit. On a 6 barres LED, le bloc d'alimentation, un dimmer avec des câbles de suspension, le manuel et le câble d'alimentation. Maintenant, place au montage, c'est la partie la plus difficile. Maintenant, il ne reste plus qu'à suspendre le produit. Maintenant, c'est l'heure de mettre les suspensions. Je te conseille d'utiliser des poulies noires. On en propose sur notre site internet. Comme ça, tu vas pouvoir gérer correctement la hauteur de ton éclairage. Quand tu prends ce type d'éclairage, je te conseille de prendre des box de qualité avec des barres renforcées. Je te conseille une marque en particulier, c'est Unbox. Maintenant, place au dimmer, on va le mettre en place. Point en plus pour Maxi Bright, c'est qu'ils ont des câbles d'alimentation qui sont assez grands et ça, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo unboxing t'aura plu. Si tu veux retrouver ce produit, il est disponible sur notre site growled.fr. Je te mets le lien en description. Moi, je te dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, le commentaire et d'activer la cloche. C'était Mickaël. Ciao!